Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, je pense que on a un truc intéressant. Je pense, je me rappelle plus. Ça fait quand même déjà quasiment 2 ans qu'on est ensemble sur YouTube. Je ne sais même plus si ce catalogue-là, je vous l'ai présenté. Je m'en rappelle plus. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai recherché dans ma chaîne, j'ai pas trouvé de catalogue Éclatric 38. Je pense qu'on n'en a pas fait une vidéo, donc je dis pourquoi pas la faire. Hein, il est temps quand même de la faire. Sur le petit catalogue Éclatech 1938 de toute beauté. Donc du coup là, donc j'essayais de rechercher un peu. Donc bien sûr, si je l'ai fait le catalogue, c'est pas grave parce que justement j'ai fait une réédition du catalogue. Oui, parce que j'avais fait des scans sur mon scanner A4. Bon, c'est un peu merdique. Il faut penser quand même que sur le scanner A4, tu peux mettre qu'une partie du catalogue, pas tout. Et comme entre deux, j'ai récupéré un scanner A3, comme tout le monde sait bien, j'ai fait des catalogues avec. Donc je me suis apprécié à faire le petit scan de catalogue cet après-midi du Éclatech 1938. Nous sommes en 2018, donc ça fait déjà 80 ans que le catalogue existe, donc c'est déjà pas mal. Très bonne qualité, pas de moisissure, bon, il y a un petit arrachage là, bon, allez, hein, c'est pardonnable, hein. Il a du vécu, aussi une petite machine qui est partie, là, une petite agrafe, que je referai par mes soins à l'occasion. Donc j'ai dit, pourquoi pas refaire une petite réédition, donc, du coup ça sera également en PDF. Donc c'est pareil, je vous parle pas... Je vous parlerai dans une autre vidéo par rapport à ça. Par contre, j'ai un projet très intéressant par rapport au catalogue. J'ai fait donc déjà un exemple. Donc, je vous montrerai 2 exemples en question. Hein, donc, sur une ancienne génération que j'avais fait du catalogue. Donc, il n'y aura pas de nouvelle version. Et donc, du coup, il y aura aussi, donc, je crois que c'était le lanterne en stock que j'ai fait. Je vous montrerai ça, bien sûr, plus tard dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, c'est le catalogue Éclatech 38. Bon. Alors du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc du coup, là, donc on va vous montrer un petit peu donc le fameux catalogue Éclatech 38. Je me rappelle vraiment plus si je l'ai fait ce catalogue-là. C'est ça qui est pire, c'est que j'ai pas, en fait, à l'époque, je faisais pas non plus d'avatar justement dans mes vidéos en tenant les catalogues. À l'époque, ça n'existait pas. C'est assez récent, ça a quasiment un an. Donc du coup, j'ai commencé avec le Éclatech 76. Donc, vous voyez, hein, le Éclatech 38, je l'ai eu bien avant. Et donc du coup, voilà, j'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé quelques photos, vidéos de Girardin. Hein. Il suffit que je retrouve, par exemple, là, si je vais dans mes vidéos, là, par exemple, on va, par exemple, là, ça, non. Là, on fait, par exemple, là, c'est les vidéos les plus anciennes. Et oui, ça date déjà de vieux. Mais, par exemple, là, découvrez ce qui vous attend. Donc là, c'est catalogue, documentation interne. Donc là, c'est que des photos. Donc là, c'est pas ça. Après, on a Mazda 98. Donc la documentation Mazda. On a aussi, donc, les trucs de Philips. Hein, la doc EGP. On n'a pas, donc, un beau catalogue Girardin. On n'a pas fait non plus de trucs. Hein. Le Éclatech, c'est pareil. Mais Éclatech, justement, de 97. Les beaux barèmes de Mazda. Vous voyez, on n'a pas parlé vraiment voilà, du Mazda partout. Donc, c'est pareil, les deux Mazda guides que j'avais à l'époque. Pareil, donc des autres documentations. Voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, le Holofan 78-79, donc l'ancienne édition, j'ai refait l'édition. Donc du coup, on peut le voir que le catalogue Éclatech n'y est pas. On a commencé par le PBL et le 76. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc du coup, j'ai pourquoi pas refaire le catalogue. Ça sera très intéressant, bien sûr. Donc du coup, là, bon, allez, pas de blabla, pas de chichi. Ici, on écoute du bon son. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu le catalogue. Donc là, bien sûr, je vous allez dire, mais merde, il y a des pages qui ne servent à rien. Mais bon, là, par exemple, cette page-là, il ne sert à rien. Mais c'est prévu. Pourquoi je la laisse dessus? Parce qu'en fait, quand on va faire le programme du catalogue, parce qu'on a prévu de faire un programme spécial pour le catalogue, donc du coup, il faut justement avoir un catalogue complet avec les pages qui ne servent à rien. Et oui, vous allez dire c'est débile, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc les catalogues, donc je retire le truc en haut, voilà. Et le catalogue vraiment de qualité. En plus, je l'ai redressé, je l'ai refait vraiment avec amour. Donc du coup, là, donc là, on voit toute la gamme des modèles en question. Donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, je dis pourquoi pas, voilà. Donc, sortir une petite vidéo par rapport à ça. Et donc, là, donc, les fameuses cloches, donc, Éclatech des années 38, bien sûr. Donc, on trouvera pas de 13-17, 13-22, 13-65. On verra pas tout ce mazar là.
Donc du coup là c'est vraiment des bonnes vieilles cloches en cuivre, en fonte d'alu, donc voilà des trucs très intéressants. Donc là par exemple les miroirs symétriques, bon là on va, je vais pas tout non plus vous montrer en détail. Hein, là donc les fameuses cloches, donc la description, donc là l'entrée d'air, je ne savais pas qu'il y avait une entrée d'air dans ce truc là. Donc c'est impressionnant. Une entrée d'air, donc là la cloche porte en miroir. Donc bien sûr tout ce qui est cloche là, c'est en cuivre, hein, donc vasque satinée diffusante. Voilà. Donc il y en avait en clair, mais il y en avait aussi en diffusante. Donc la carole en coque en alpax. Donc c'était en alpax déjà dans les années 30. Il faisait déjà l'alpax. Après, voilà, caractéristique dominante. C'est un teint sous son forme ronde, permettant ainsi l'emploi de miroirs asymétriques, à fleurs rectangulaires, à miroirs circulaires. Les miroirs sont interchangeables. Utilisation, en qualité d'éclairage, construction, elle comporte entièrement une armature en cuivre rouge, en deux pièces, une calotte et une cloche assemblage par quatre vis, un miroir, bon là ils disent un petit peu le truc, et franchement c'est tout ce qu'ils disent, mais après ils disent par exemple il y a un joint, par un cinq, un alpax, un bouchon, une charnière, un bouton et une fanière, fait un cinq sur la cloche, voilà donc ils disent pas la couleur râle machin, il n'y avait pas de râle non plus, il n'y avait pas, voilà donc c'était vraiment des belles petites cloches. Alors que les lanternes qu'on n'a jamais vues, bon, hein. Voilà, on voit vraiment des trucs intéressants. Hein. Voilà, donc, par exemple, la 902, 904, 907, donc là, c'est en cuivre rouge, et là, on a du fondu en alpax. Donc, il disait le fondu en alpax, c'était pas la fonte d'alu, il disait fondu en alpax. Voilà, donc c'est vraiment différent. Donc là, ils expliquent un peu le modèle en question, donc directement. Hein, donc là, on le voit très bien, c'est quand même assez spécial avec des petits boutons derrière. Un petit bouton derrière pour redresser simplement le. Non, pas là, c'est derrière, là, ici, on le voit pas. Des petits boutons pour régler la lampe, la douille, en fait. C'est vraiment intéressant. Bon, ces lanternes-là, je les ai jamais vues de ma vie, donc du coup, on peut pas trop savoir c'était pour quel truc, en fait. Hein. Mais voilà. Donc, ça, on en trouve souvent dans certains endroits, mais assez anciens, reculés. Hein. Les 802, 804, 807, donc avec les réflecteurs symétriques ou rect. Voilà, c'est vraiment un truc intéressant. Donc, du coup, on le voit très bien, hein, c'est vraiment au là, quoi. C'est le top budget, quoi. Mais c'était éclatec des années 30, donc c'est ça qui fait plaisir. Bon, ça, on connaît, on en a déjà vu sur le bon coin, on a déjà vu tout ça, c'est déjà pas mal. Donc, après, voilà, donc là par exemple, on a ce modèle-là, donc avec la. Voilà, donc le truc, voilà. Donc, c'est pareil. Ah, ces cloches-là aussi. Des grosses cloches éclatec qu'on connaît très bien aussi. Donc, un peu chez Holofan, sauf que c'est éclatec. Voilà, donc c'est pareil. Cuivre rouge, voilà, donc après, voilà, donc on a du cuivre rouge, la promenade, pour les promenades des jardins, donc ça c'est le jardin de Nancy, donc à l'époque il y avait le jardin de Nancy, l'EMA existe toujours, bon il y en a quelques-uns qui ont été remplacés par des nouveaux, mais les lanternes, c'était ça à l'époque qu'il y avait dans le jardin, maintenant c'est des autres lanternes, je sais plus ce que c'est, voilà, donc on voit un petit peu, donc ça fait drôle, c'est une tulipe, hein, voilà. Globe diffusant, alors je ne sais pas si c'est en verre, par contre je m'en rappelle plus. Globe en verre satiné, si c'est en verre. Un miroir symétrique tout asymétrique, 15 sur demande en cristal argenté. Voilà. Donc après une cloche en cuivre rouge, surportant la bride en miroir, une socle en fonte auquel est fixé par des vis un cercle sur lequel est scellé le globe. Et ben, une tige de réglage, hein, supportant la douille. Une cloche repose sur le globe par l'intermédiaire des trois portes de maintenance. Waouh! Donc là, c'est un petit peu faux. Bah, non, là, c'est vraiment un truc intéressant. Voilà. Bon, ça, c'est les petites bouboules. Hein. Voilà, donc c'était des boules simples en verre. Voilà. Donc après, on a l'éclairage en clat traditionnel. Donc là, de vieilles lanternes. Vraiment, c'est l'éclairage extérieur toujours. Bon, là, c'est vraiment en tôle émaillée. Donc là, on imagine le truc assez ancien. C'est sûr, hein, c'est pas du basique. Hein. Donc les trucs à échelle, hein, les petits cols de cygne, les galettes qu'on apprécie beaucoup, donc les vieilles galettes, très intéressant. Les DPV, donc les lumières dépenses passives de la. Bah oui, en 38, hein, il y avait quasiment Tonton Adolphe qui arrivait. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il y avait déjà des lanternes normalisées de guerre. Et oui, il y avait des trucs comme ça. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que ben voilà, donc on avait des modèles vraiment assez bizarres, hein, pour l'époque. Mais c'était voilà des lumières à défense passive pour pas que on va dire pendant la guerre il fallait pas qu'à une certaine heure l'éclairage se voyait dans les maisons donc du coup même dans les rues hein, voilà
Et donc, du coup, c'est pour pas non plus, on va dire, éclairer à max. Donc, du coup, ils mettaient des lampes à défense passive. Donc, c'était des lampes genre lumière noire avec un petit point lumineux. Je vous rechercherai justement des petites docs là-dessus, sur les lampes et les lanternes à défense passive. Ça peut être une intéressante petite vidéo là-dessus, sur l'éclairage normal de guerre, justement, qu'il y a eu pendant la guerre. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il y avait pendant l'époque de la guerre, hein, parce que l'éclairage, ça a été généralement bombardé. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'époque qui éclairait les rues? Voilà, donc on en parlera de ça dans une prochaine vidéo. Ça sera intéressant. Donc, du coup, là, donc là, on a les lampes, les réflecteurs industriels, donc pareil à des pays. Des puissances passives, hein. Donc voilà, donc défense passive, hein, là. Voilà, donc c'était vraiment pas mal. Donc là pareil, donc là les systèmes de suspension axiale en par caténaire, hein, nous on appelle ça les caténaires, mais il y avait plusieurs sortes de versions qu'on pouvait, les tigeons, ça c'est les muraux et ça c'est les centraux. Donc on avait des émerillons, on avait des œilletons, on avait vraiment de tout et de rien. Donc ça on connaît, ça existe encore. Ces machins-là, ça existe encore. Bon, des petites poulies, petits machins. Tout ça, la plupart des choses existent encore. C'est ça qui est bien. Mais bon, pas tout non plus. Hein, parce que maintenant, l'éclairage caténaire n'existe plus. À part certains endroits. Donc, du coup, là, les petits candélabres en fonte. Donc là, c'est pareil, les petites rotules. Toutes gambilles. Donc ça, je connais très très bien. Ça, je connais hyper bien. Pas trop ça, plutôt. Plutôt ça, ce modèle-là. Je connais par cœur rien que la tige, pas la rotule que la tige. Ça, j'en ai une. Je vais en récupérer une plus propre. Pareil pour les rotules, je ferai un truc aussi pour les rotules. Pourquoi pas démonter, décaper, refaire à neuf. Et puis d'utiliser ça pour diverses occasions. Ça peut être utile. J'ai plusieurs différentes sortes en plus. Ça peut être pas mal. Voilà, donc là un petit peu toutes les consoles qu'il y a de l'époque. Hein, voilà, donc c'est pareil, c'est une merde de chien à faire le. Voilà, pour que ce soit bien, bien droit. Donc là, donc les crosses en fonte, hein, voilà, en acier, tout ça, avec les grosses crosses, vraiment, comme il faut. Voilà. Donc là, à part les dispositifs de descente de lanterne, donc là, c'était les cheminées qui descendaient. C'était vraiment rigolo. Ça, je connaissais pas trop, ça, en fait. Mais en fait, c'est une cloche qui descendait le truc. C'était vraiment, ça devait être vraiment rigolo. Voilà, donc là, après, voilà, donc les grands espaces, donc là, les projos, bon, bien sûr, de l'époque, hein. Voilà, donc c'était pareil, un hein. Projecteur rectangulaire. Donc là c'est pareil, c'était pour les gros de 400 000 watts. Hein. Ah non, 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 c'est vrai, c'est des décalumènes. Oui, à l'époque on n'utilisait pas trop les watts, hein, comme là par exemple. Et là par exemple, voilà, de 500 à 1000 watts, à vapeur de sodium type SO de 400 à 1000 décalumènes. Donc, je vous expliquerai pas ce que c'est. Donc là par exemple, voilà. Donc là par exemple là, donc un petit projecteur carré, donc un petit projecteur rond, donc là donc les petits machins, donc là c'est pareil, hein, 300 000 watts, hein, donc là il explique un petit peu le truc. Voilà donc petit projecteur SNCF de centre tri, bon ça c'est pas GAL, mais bon. Voilà donc un projecteur pareil, donc là il explique un petit peu, c'est pareil, l'écophotométrique et tout ça. Avec les appareils étanches, donc là c'est des trucs vraiment type. Voilà donc les. Ah c'est peut-être ça que j'avais vu le dernier coup en vidéo, en photo. Hein, étanche à la lance, hein, attention. Lanterne en fonte émaillée, en fonte émaillée. Donc c'est pareil, c'est des gros machins. Vraiment attention, ça rigole pas. Hein, des cloches un peu bizarres, les petits machins en forme de bonbons là. Donc c'est pareil, des cloches, des hublots. Alors ça, j'en ai vu pas mal, pas mal, pas mal à Paris. Les bouches de métro, il y avait beaucoup de ça. Bon, les trucs justement hermétiques en ATX, hein, les trucs anti-grisouteux hein, aussi. Donc les trucs, les boules intérieures, bon ça c'est pas non plus connu beaucoup, mais bon, des trucs intérieurs et industriels, donc c'est pareil avec des réflecteurs en alu. Les lampes luminescentes, donc là les vapeurs métalliques, sodium et mercure. Donc là c'était pareil, les tout débuts des mercures et des sodiums. Bon c'était pas vraiment ce qu'on connaît actuellement, hein, faut pas abuser non plus. Mais voilà, donc on avait par exemple peut-être la lampe HP ou AGHQ. Donc là par exemple c'est les lampes par exemple les lampes normales donc les formes de poire transparente avec un petit tube à décharge dedans mais vraiment tout rikiki et puis en même temps c'était tout dégueulasse mais ça éclairait pas mal quand même parce que là par exemple on voit 75 90 watts ou 80 watts donc ça dépend la puissance absorbée avec la self. Il y avait déjà des selfs à l'époque
Voilà, donc ils expliquent un petit peu. Donc là, avec les intensités donc de 120 ou 220 volts, donc on a plusieurs sortes de puissance, tout ça. Forcément, on a les dimensions. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc. Donc là, par exemple, donc on explique un petit peu vraiment. C'est vraiment drôle parce qu'en fait, voilà, donc c'est pareil, schéma d'appareillage. Et là, on se dit, c'est vrai, c'est impressionnant. Donc là, par exemple, la SO ou la NAU. Donc là, la SO 250, 400, 650, 1000. Ah non, ça va, c'est des décalumènes. Hein. C'est pas, je vous expliquerai après ce que c'est les décalumènes. Hein. Donc, du coup, là, après, encore l'éclairage, donc vapeur de sodium. Donc, avec hein, plusieurs sortes de lanternes bizarroïdes, vraiment les plus farfelues. Des petits appareils d'éclairage public. Donc, là, spécial, donc, vapeur de sodium et spirale mercure. Donc, là, il y a un petit truc de jardin très intéressant, une petite vasque et tout. C'est vraiment joli comme tout. Des lumières du jour, donc là c'est l'éclairage public, pareil, avec des vraiment modèles très rares que j'ai jamais vu. Déjà dans les années 30, ils faisaient des designs parfaits. L'éclairage intérieur, donc c'est pareil, un petit peu de bureau, des notices techniques, hein, des éco-photométriques, des luxe et compagnie. Des petites photos du canal du Rhin à Liverdun, donc là, donc, le canal de la Marne, ah, Nancy, donc la cathédrale Saint-Èvre, donc là, le tunnel à la Villette. Sarrebourg, Lyon, Lancionnier, le pépinière sous la neige, donc à Nancy, voilà, c'est la pépinière. Certains endroits, bon là, bien sûr, il n'y a pas Épernay, parce qu'Épernay, c'était pas holophone dans les années 30. C'était pas éclatec, mais holophone. Là, par exemple, on a Dijon, on a quoi? Attends, je vais regarder un petit peu plus gros. Voilà. Là, par exemple, on a Amiens, on a Beaune, voilà. On a que je connais bien sûr hein. Chalon, ah oui Chalon, bah oui pays d'Éclatec Chalon hein. Ça a toujours été en plus hein. Chalon-sur-Saône, vous imaginez depuis les années 30 déjà Éclatec était connu déjà Chalon et actuellement toujours à Chalon, donc c'est ça qui est bien. Donc Contrexéville, Colmar, Chambéry, Chaumont, voilà. Dijon, Dole, Épinal, hein, ça je connais très bien. Après La Rochelle, Langres, l'hôpital, ça je sais pas que c'est. Lille, Libourne, Lançonnier, Lyon, Metz, ouais, il y a pas de... Nancy, bah ça c'est sûr, hein. S'il n'y a pas des lanternes éclatées que Nancy, à hein, Nancy, Nantes, Nesle, Nieppe, Paris, voilà, sur Perros-Guirec, Pont-à-Mousson, Reims, ah bah ça je savais pas qu'il y en avait à Reims par contre, là, Sarrebourg, Némur, Strasbourg, bon, pas Tarascon, Troyes, Vannes, Valenciennes, Verdun, Vesoul, Villeurbanne, voilà, il y a vraiment un petit peu de pas mal de choses. Même au Maroc, Algérie. Faut penser qu'à l'époque, l'Algérie c'était aussi une colonisation française. Donc du coup, voilà. Donc Madagascar, non, Mogador. Je confonds. Mogador, Rabat, Alger. Il y avait quand même pas mal de trucs. Bah oui, dans les années 30, c'était français. Donc. Là, voilà, donc un petit truc très intéressant. Voilà, donc avec la petite page et la fin. Donc du catalogue, franchement, ça fait plaisir. J'ai une réédition du catalogue, parce que j'ai vu que sur l'Holofan, c'était pareil. Donc du coup, j'en fais une petite réédition de ce catalogue-là qui fait plaisir. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Ah, on va revenir sur le sujet. Pourquoi des calumens? À l'époque, dans les années 30, il n'y avait pas beaucoup de trucs sur les watts. Et pour avoir des différentes sortes de puissance. On peut aussi dire décalumène. Alors, sachant qu'une bougie, c'est un candela. Alors là, on va faire un petit peu de théorie sur la lumière. Un candela, donc c'est vraiment faible, c'est une bougie. 10 candela, c'est un lumen. Vous imaginez, quand on demande 1 million de lumens, vous imaginez la quantité de bougies que ça fait. Ça fait au moins 10 millions de bougies. Hein. Bon, alors bien sûr, quand même, que à l'époque, les lampes incandescentes. Ça s'appelait en candela les premières lampes, les premières lampes incandescentes. On disait pas des watts parce que ça n'existait pas tout à fait. Je ferai donc, c'est ce que je vous ai parlé. On fera plusieurs petites vidéos là-dessus. Pourquoi pas, tiens, une des prochaines sur les lampes en question des années 30, même bien avant. J'ai d'autres docs, j'ai beaucoup de dossiers sur les lampes et on va faire un petit peu, genre. Un dossier sur les lampes, tout ça, vraiment des années 30. Ça peut être pas mal, j'ai beaucoup de docs sur ça. Et franchement, ça peut être utile de voir. Bon, bien sûr, c'est pas français. Je suis désolé. C'est en anglais ou des trucs comme ça, mais franchement, ça vaut le coup.
Non, je ferai une petite vidéo sur les lampes. En règle générale, des vieux catalogues des années 30, même plus vieux encore. Oui, on peut monter à plus vieux. Et donc, on se tient au jus par rapport à ça. Pourquoi pas faire aussi une vidéo sur les lanternes et les lampes à défense passive? Ça peut être pas mal. Ou je le ferai en même temps dans les lampes passives, ou je le ferai avec les lampes, ça peut être pas mal. Donc, du coup, là, on se tient au jus pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, bah, fais pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.